Interdiction de manifestation ce dimanche au Niger par le gouvernement. Un mouvement lancé par des organisations de la société civile contre la loi des finances 2018 qu'elle juge antisociale. Les autorités justifient cette interdiction par des menaces sérieuses et pertinentes qui planent sur la capitale, mais également par les récentes attaques terroristes commises dans ses environs immédiats. Depuis octobre 2017, date de la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile et l'opposition politique organise régulièrement des manifestations dans plusieurs grandes villes du pays pour demander l'abrogation de cette loi de finances. Ils reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui, selon eux, vont presser le peuple. Ils l'accusent surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une trentaine de millions d'euros aux compagnies de téléphonie.